Alors cet été, sur Pelvoux-Valouise, on innove et on vous propose une ouverture du télésiège de Préron et du télésiège de la Crête le mardi et le vendredi. Donc ce qu'on fait, c'est que du 13 juillet au 24 août, le télésiège de Préron sera accessible ces jours-là aux randonneurs. L'objectif, c'est de venir découvrir nos très belles randos qu'on peut faire au sommet du télésiège de Préron. On mettra aussi un barbecue à disposition en libre-service pour passer des moments très conviviaux en famille, etc. Et le vendredi, en plus, on ouvrira également le télésiège de la Crête. L'objectif, c'est que les parapentistes puissent venir décoller au sommet du télésiège, profiter de la vallée avec un vol de plus de 1000 mètres de dénivelé. Ce qui est vraiment incroyable à Pelvoux et dont on se rend compte là, c'est qu'on arrive à faire 1000 mètres de dénivelé avec les remontées mécaniques et du coup un accès vraiment très facile. Ça se fait en à peu près une demi-heure, donc vraiment facilement. On arrive sur un décollage qui est en herbe douce, en herbe rase, une pente douce et avec un paysage vraiment incroyable. Il y a 1000 mètres de dénivelé, donc pour le parapente en France, c'est un site vraiment exceptionnel parce que du coup, on arrive à faire un petit vol en conditions calmes, à poser en bas. Mais aussi, c'est possible d'aller survoler les 3000 et même des 4000 mètres. Et du coup, ça en fait un accès incroyable pour la haute montagne, quoi.